dans cette approche de la preuve, il y a quand même ce phénomène qui est quand même assez extraordinaire. Vous avez eu 2 jours de réquisition de la part de l'accusation. Et pas une seule fois, pas une, les coprocureurs n'ont prononcé le mot de conflit armé. Et je vous dis, je suis sûre que je ne croyais pas, j'ai demandé à mon équipe de vérifier, de faire une recherche électronique, conflit armé, pour savoir, pas une seule fois, 2 jours de réquisition, les procureurs ne prononcent pas le conflit armé, comme si c'était un accessoire. Ils ne prononcent pas le mot de conflit armé, mais par contre, ils vous demandent d'appliquer les conventions de Genève pour condamner à perpétuité. Là, je vois quand même un problème. Il fallait le faire, c'est quand même un tour de force de parler des faits entre 75-79 sans prononcer le mot de conflit armé. D'autant plus qu'on vous dit, il ne faut pas parler du conflit armé, ce n'est pas très intéressant, sauf quand il faut parler des incursions en territoire vietnamien qui ne sont pas dans le champ du procès. Alors nous, du côté de la défense de Que s'en pense, nous avons consacré une partie de notre mémoire à rappeler la genèse du conflit armé et en faire une brève chronologie, et ça, je reviendrai plus tard. Et pourquoi c'est important? Ce n'est pas parce qu'on veut faire de l'histoire pour faire de l'histoire. C'est parce que si vous détachez les faits de ce contexte de conflit armé, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et l'accusation, et j'y reviendrai, à bon dos de venir nous dire « Oh là là, les discours de Que s'en pense et Pol Pot en fin 77 et début 78, ça appelle au génocide vietnamien. » Mais si on ne vous dit pas qu'en décembre 77, il y a eu une invasion vietnamienne sur le territoire, si on ne vous dit pas que c'est dans ce contexte-là que les discours étaient prononcés, qu'est-ce que vous comprenez? C'est quand même le minimum de l'honnêteté intellectuelle de replacer les choses dans leur contexte. It's a minimum of intellectual rigor to put things in their context. Mais j'y reviendrai sur cette question. But I'll get back to this question. Avant cela, je voudrais encore et toujours vous parler de droit. Je suis avocate de Monsieur Que s'en pense. Je suis dans une enceinte de justice, donc je parle de droit. Et je veux parler du principe de l'égalité. Je vous ai dit, Monsieur le Président, Monsieur de la Chambre, au début, que la difficulté particulière qu'on a au niveau de cette juridiction, c'est qu'on juge les faits très longtemps après le moment où ils se sont déroulés, mais qu'on doit faire cette gymnastique de savoir quel était le droit applicable. Et ça a une importance de savoir quel était le droit applicable, puisque ça a une incidence sur ce que pouvait attendre les accusés du risque de leur comportement, et ça a une incidence sur le droit que vous allez appliquer. Et ce principe de l'égalité, c'est un principe mais fondamental, c'est-à-dire c'est le B à bas, encore une fois, de la procédure pénale. Il n'y a pas de rétroactivité de la loi pénale. Ça n'existe pas. Et c'est d'autant plus important devant cette juridiction qu'on s'inspire beaucoup du droit international sur certains points de la jurisprudence internationale, mais il faut à chaque fois vérifier que le principe de l'égalité est respecté. Alors, tout à l'heure, j'évoquais la décision de la Cour suprême, et je reviendrai tout à l'heure, et je dois vous dire que nous avons été moins extatiques que la défense de Nguyen Chia en ce qui concerne certaines conclusions de la Cour suprême. Et j'y reviendrai. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les crimes que vous avez à juger, pour les modes de responsabilité que vous avez à appliquer, vous devez appliquer le droit tel qu'il existait à l'époque des faits. C'est le principe de l'égalité. Donc, ce n'est pas la loi qui est en cause, c'est plutôt la loi qui est en cause, ce n'est pas la qualité de l'individu, c'est la loi. Qu'est-ce qu'était la loi? Qu'est-ce qu'était le droit international coutumier à l'époque? Et c'est ça que vous devez appliquer. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que lorsqu'on lit le mémoire de l'accusation, bien on voit que les procureurs sont tout à l'envers.
La démarche de l'accusation, elle est complètement contraire au principe de l'égalité. Ils vous disent d'abord, le crime ou le mode de responsabilité existait en droit international. Et puis après, ils vous donnent la définition du crime. You with the definition of the crime. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu déjà parlé du crime, savoir quelle était la définition à l'époque. Of the crime. Et ensuite, and then, on peut voir we can see, ce qu'il en est, comment the, how, on peut l'appliquer. And how et c'est we tellement may vrai apply the rules. And this is so clear que, that, au départ, at the onset, les chambres extraordinaires the ECCC, au sein des tribunaux cambodgiens ont reconnu ce principe this de la légalité. Of legality. Et l'exemple le plus parlant, and the most peut-être, c'est l'entreprise criminelle commune, joint criminal enterprise, où il y avait trois formes, there were three forms, la forme 1, la forme 2, form la forme 3, and form et qu'on a exclu and we excluded, la forme 3 en disant la définition three from de trial cette by saying that the definition entreprise criminelle of form de forme 3, joint criminal enterprise, elle, form pas, 3, elle n'existait pas did not exist entre 75 et 79, between 75 and 79. Et pour savoir and, si elle existait ou si elle n'existait know pas, whether or not il a fallu existed, décortiquer la définition pour savoir si c'est quelque chose qui était prévisible et accessible aux accusés. Et je vous dis, and, au départ, you, les CETC start, ont reconnu the ça. ECCC acknowledged this reality. Et malheureusement, unfortunately, la Chambre de la Cour suprême Supreme Court a vidé le principe de l'égalité de sa substance dans l'arrêt de 1. Et pourtant, elle avait bien commencé dans l'arrêt d'Ouic. Elle avait fait une belle citation de Gwenaël Métro dans la note de bas de page 184. Et voilà ce qui nice dit Gwenaël Métro. And this is what Gwenaël Métro says to support la viabilité de l'héritage jurisprudentiel des tribunaux dépendra dans une grande mesure non pas des aspirations théoriques de leurs rédacteurs mais de leur capacité à fonder leurs décisions sur un ensemble de règles préexistantes. La contribution de ces deux tribunaux à l'histoire et au droit risque d'être dérisoire s'ils donnent l'impression d'avoir versé dans l'autosatisfaction intellectuelle ou le militantisme judiciaire. Elle est belle, cette citation. Et au paragraphe 97 de l'arrêt d'Ouic, voilà ce que disait à l'époque la Cour suprême. S'il est évident que le CETC gagne à s'inspirer des raisonnements développés par les tribunaux ad hoc qui ont contribué à la formulation et à l'évolution du droit international pénal, elles ont toutefois l'obligation, compte tenu du principe de l'égalité et des protections attachées à ce principe, de s'assurer que les critères définissant les éléments constitutifs des crimes ainsi que les modes de participation retenues étaient prévues par le droit durant la période relevant de leurs compétences rationnées temporis. Ils doivent en outre avoir été prévisibles par les accusés et leur avoir été accessibles. Fin de citation. C'était clair, c'était net, et la Chambre de la Cour suprême expliquait qu'il devait y avoir une évaluation minutieuse et rationnelle de ces critères pour garantir la légitimité des CETC. Jusqu'ici, tout allait bien, et alors est arrivé l'arrêt de 1, et là, tout s'est écroulé. Final appeal judgment, everything tout s'est écroulé parce que everything crumbled, everything collapsed. Là, malheureusement, because le militantisme judiciaire, la pression, je ne sais pas, or whatever parce pressure, que peut-être que l'application du principe aurait dû conduire à acquitter que 100 ans, maybe the mais application là, of the principle would have led la Chambre, to the acquittal of la Cour suprême, qui sait parfaitement however, quels sont les critères, les modes d'examen Supreme Court, pour savoir quel était well the le principe de l'égalité, elle a tout laissé tomber legality, et elle a retenu la définition du crime de meurtre avec une notion de dol éventuel. Alors oui, je parle de droit, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, le dol éventuel? Ça veut dire qu'en gros, elle nous a expliqué qu'on pouvait commettre un crime
commettre le crime de meurtre sans vraiment avoir au départ l'intention de commettre ce meurtre. Très compliqué le dol éventuel, très compliqué à comprendre pour un profane, et je dois dire que pour la juriste que je suis, c'est toujours un truc extraordinaire, je ne comprends pas non plus. Toujours est-il que la Chambre a retenu ce meurtre avec un dol éventuel, c'est-à-dire une intention qui était moindre que celle de l'intention de tuer, parce que sinon on ne pouvait pas condamner les accusés pour les déplacements de population, il fallait abaisser ce degré. Si les gens n'avaient pas vraiment envie de tuer la population et qu'on voulait le condamner pour meurtre, il fallait abaisser cette intention. Sauf que ce qui était mentionné dans l'arrêt Duke et qui avait été rappelé par la Chambre de la Cour suprême, à savoir les conditions dans lesquelles on pouvait appliquer le principe de l'égalité. Première condition, il fallait que la définition des éléments constitutifs des crimes ou des modes de participation ait été à l'époque non seulement prévue par le droit, mais en outre accessible et prévisible. Et deuxièmement, deuxième condition, les juges pouvaient s'appuyer sur le droit interne pour établir que l'accusé avait pu raisonnablement savoir que le crime en question était prohibé. Dans l'arrêt 2-2, existe tout ça. Judgment, all of this goes out the et window. On cherche and, they, now we're, à avoir un crime de meurtre avec un dol éventuel, parce que c'est important pour condamner. Donc elle a validé dans l'arrêt 2-2 une existence d'une intention moindre que celle de tuer. Intent than the intent to kill. Et comme elle cherchait à valider votre décision, vous, dans votre décision, et pour cause, vous étiez fondé sur de la jurisprudence ultérieure au fait. C'était notre motif d'appel, d'ailleurs, en disant la Chambre s'est fondée sur de la jurisprudence des TPIR, des TPY, etc., pour parler d'une intention moindre que de celle de tuer. Et comme c'est de la jurisprudence postérieure, ça veut dire, et c'est vrai que dans la jurisprudence contemporaine et antérieure, ça n'existait pas une intention moindre que celle de tuer pour le meurtre. Si c'était des éléments postérieurs, ça veut dire que le principe de l'égalité était violé. Du coup, qu'a fait la Cour suprême? La Cour suprême, elle ne pouvait pas vraiment logiquement et aux yeux et à la face du monde se fonder sur de la jurisprudence postérieure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée interpréter, mais d'une façon complètement inédite, et vous comprendrez pourquoi, elle est allée se fonder sur de la jurisprudence de Nuremberg pour dire qu'il y avait une intention moindre que celle de tuer. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé comme jurisprudence pour essayer de valider cette question, de dire que il peut y avoir du meurtre, on peut être condamné du meurtre même si on n'avait pas l'intention de tuer. Elle est allée chercher l'affaire des médecins de Nuremberg. Les médecins de Nuremberg, c'est-à-dire ceux qui faisaient des expériences sur les juifs, les tziganes, les homosexuels, etc., dans les camps de la mort. En gros, ce que la Cour suprême nous a dit, c'est que dans les camps de la mort, on pouvait ne pas avoir l'intention de tuer. Là, je dois dire, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent parce que ça revient un peu à ce que je vous disais sur est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on a des raisons de se féliciter de l'héritage judiciaire des CETC. On a quand même une Cour suprême qui nous explique que dans les camps de la mort, on pouvait ne pas avoir l'intention de tuer. Tout ça parce qu'il fallait absolument valider cette question
de dol éventuel. Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route, mais ça suffit pour sauver la décision de condamnation à perpétuité. Et comme je vous disais tout à l'heure, le sésame de la condamnation à perpétuité, c'est que tout le monde a fait les gorges chaudes dans la presse, c'est super, on a condamné, justice a été rendue, lutte contre l'impunité, mais personne ne s'est vraiment penché sur la question de quelles ont été les motivations en droit. Qu'est-ce qui a permis cette condamnation? Et bien voilà ce qui a permis cette condamnation. Dans les camps de la mort, on pouvait ne pas avoir l'intention de tuer. Alors moi je ne sais pas si c'est ça l'héritage que les CETC veulent laisser, mais moi je n'en veux pas. Et c'est pour ça que nous avons commencé notre mémoire en vous rappelant la jurisprudence sur la possibilité que vous avez quand il y a une erreur de droit, mais tellement énorme, tellement fondamentale, que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas la suivre. Vous avez le droit de revenir sur ça. Et je crois tellement que vous avez le droit de revenir sur ça, c'est que vous-même, lorsque vous avez vous êtes penché sur cette question de dol éventuel, vous n'avez pas cité la jurisprudence de Nuremberg. Personne n'a cité la jurisprudence de Nuremberg pour le dol éventuel. Ça fait des temps et des temps qu'on parle de crimes devant les juridictions internationales et personne n'a osé citer la jurisprudence de Nuremberg pour parler d'un dol éventuel dans le crime de meurtre. Donc à vous de voir quel héritage vous souhaitez laisser, mais nous demandons évidemment de ne pas suivre cette solution inique qui n'était pas évidemment envisageable par Que Sampan, puisque c'est que la Cour suprême qui l'a identifié dans une sorte de création sui generis et une très mauvaise interprétation de la jurisprudence de Nuremberg. Cette question de l'application rétroactive d'un droit ultérieur, elle se trouve aussi sur la discussion de crimes contre l'humanité, d'autres actes inhumains. Et là, je suis obligée de noter qu'il y a un mode opératoire récurrent de l'accusation qui est de faire baisser le niveau de l'intention. Les autres actes inhumains, dans les explications de l'accusation dans son mémoire final, les débordements sont flagrants. Well, we see excesses, blatant excesses. Ils commencent par rappeler au paragraphe 178 la définition telle qu'elle a été donnée par la Cour suprême dans l'arrêt de 1, en disant que les autres actes inhumains se définissent par la nature et la gravité similaire à celle des crimes contre l'humanité et des crimes qui ont causé de graves souffrances, et troisième point, commis délibérément dans l'intention d'infliger de graves souffrances. Là, je vous renvoie également à nos développements au paragraphe 2407 de notre mémoire finale. Et aussi, elle rappelle ce que la Chambre préliminaire avait dit, à savoir que la question d'autres actes inhumains est une question à la fois de droit et à la fois de fait. Mais contrairement aux préconisations, cette fois-ci correctes, de la Cour suprême, les procureurs utilisent des définitions ultérieures pour fonder leur argumentation. Qu'est-ce qu'avait dit la Cour suprême exactement? Dans son paragraphe 589, elle a dit que l'utilisation de définitions de crimes contre l'humanité distinctes, ultérieures, était anachronique et infondée en droit, notamment pour le transfert forcé et la disparition forcée. Et en toute contradiction, l'accusation vous fournit des définitions ultérieures, c'est-à-dire des définitions contemporaines, bien ultérieures à la période 75-79. Elle fournit des définitions ultérieures pour le transfert forcé, la disparition forcée, l'atteinte à la dignité, le mariage forcé et le viol. Et le principe de l'égalité dans tout ça, à la trappe. Well, it's out the window. À la trappe. Out the window. Comme beaucoup de choses qui a trait à la procédure pénale dans le mémoire des co-procureurs. En ce qui concerne le crime contre l'humanité, d'autres actes inhumains prenant la forme de viol, alors là, c'est carrément plus fort que tout. Les procureurs, ils vous proposent même leur propre définition en disant que celle qui est donnée par les TPI et la CPI sont trop étroites. Donc, non seulement ils ne font pas le travail qui était de savoir
d'examiner quels étaient les degrés de gravité à l'époque, etc. Mais en plus, ils vous disent, la définition telle que décidée par les TPICPI, c'est pas bon, il faut une nouvelle. Donc ils vous demandent d'appliquer leur définition à eux de 2017. Voilà. Si c'est pas le principe de l'égalité à la trappe, je ne sais pas ce que c'est. Du côté des partis civils, en revanche, il y a une position beaucoup plus juridique qui s'attache au principe de la légalité. Et c'est vrai que lorsque j'ai entendu les plaidoiries de ma consoeur Marie-Miro, je reconnais que le déroulement qu'elle a fait pour vous présenter quelles étaient quel était le chemin à suivre pour savoir quel était à quoi correspondait le crime d'autres actes inhumains à l'époque. Étape numéro 1, identification d'une articulation entre le droit et une interdiction. Deuxième étape, analyse du degré de gravité des autres crimes contre l'humanité énumérés par ailleurs, dans d'autres, par exemple, dans des conventions internationales. La feuille de route, telle que décrite par ma consoeur, correspond également à notre analyse telle que nous l'avons développée dans notre mémoire, notamment au paragraphe 2402 et 2405 de notre mémoire. En revanche, sur l'application, nous ne sommes pas forcément d'accord sur la démarche adoptée. C'est sûr que les normes ultérieures, c'est une aide, c'est une indication, mais ce n'est pas ça qui nous permet de savoir si c'est conforme au principe de l'égalité. L'existence de normes plus spécifiques ultérieures ne détermine pas en soi la conformité au principe de l'égalité. Et pourquoi j'appuie sur ce développement, c'est que vous devez suivre cette démarche, examiner ce point, sur la question du mariage forcé. With regard to forced marriage. Et d'autant plus sur la question du mariage forcé, que le mariage forcé, le crime contre l'unité de mariage forcé tel qu'il a été défini ultérieurement, n'a jamais été érigé comme un crime contre l'humanité distinct, toujours comme autre acte inhumain. On a beaucoup parlé de la jurisprudence du tribunal spécial sur la Sierra Leone. Par définition, ça date de 2008, c'est forcément postérieur, donc ça va être très compliqué de pouvoir appliquer cela au cas d'espèce. Elle donne cette jurisprudence, la définition du mariage forcé, du crime contre l'humanité, autres actes inhumains, en 2008. On est loin de 75-79. Les partis civils reconnaissent d'ailleurs que les éléments du crime du mariage forcé au CETC et devant le tribunal spécial de la Sierra Leone sont différents. Mais elles vous demandent quand même d'appliquer, et ce n'est pas logique, cette jurisprudence du SCSL. Et pourquoi ce n'est pas possible? Parce que dans le cadre de l'étape numéro 1, qui est la recherche d'articulation entre les droits fondamentaux et les interdictions, du côté de l'accusation comme du côté de partie civile, il n'y a pas de démonstration que le comportement reproché aux accusés atteignait le même degré de gravité que le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, l'emprisonnement, la torture, ou la persécution pour motif politique. Et pour cause, parce que ce n'est pas possible de démontrer un degré de gravité similaire à l'époque du crime. Donc je vous renvoie bien évidemment à notre mémoire sur la question. Je vous ai déjà cité les paragraphes. Et puis je veux finir sur ce point. C'est quand même important que les balbutiements qu'il y a actuels sur l'émergence de normes plus spécifiques en ce qui concerne le mariage forcé prouvent qu'à l'époque, ce n'était pas encore considéré comme illicite. Et d'ailleurs, pour
s'en prévaloir. C'est tellement vrai que les juges de la chambre d'appel, du tribunal pour la spéciale pour la Sierra Leone, le disent eux-mêmes. Ils ont expressément indiqué se saisir du moyen dans l'affaire Brima pour faire évoluer la jurisprudence. Ça veut dire qu'en 2008, la jurisprudence n'avait pas encore évolué. C'est d'autant plus vrai pour la période de 75 à 79. Even clearer for the period of 75-79. Et d'ailleurs, sur la question de mettre sur le même plan le crime d'autres actes inhumains sur les mariages forcés, au même plan que les autres, les procureurs eux-mêmes ont reconnu qu'on ne pouvait pas les mêmes plan que les autres. Et là, je cite Madame la procureure nationale, 17 octobre 2014, transcrit E1/242.1 vers 10h21 et 31 secondes. Voilà ce qu'elle dit. Le mariage forcé n'a peut-être pas été le pire crime du Kampuchea démocratique, mais il s'agissait d'une violation fondamentale du droit à la liberté. Et malheureusement, peut-être, mais la violation fondamentale du droit à la liberté, ça n'a pas le même niveau que le crime contre l'humanité. Il y a des violations fondamentales au droit à la liberté qui ne sont pas des crimes contre l'humanité. Et pour finir sur ce point, pour conforter ce que je viens de vous dire, je vous renvoie à l'arrêt Popovitch du TPY du 30 janvier 2015, paragraphe 761, qui vous dit, et là je vais citer en anglais, the trial chamber la chambre de première instance correctly stated à juste titre that not every denial of human rights is serious enough de l'homme to constitute a crime against humanity. Grave pour être constitutive de crime contre l'humanité. À l'époque du Kampuchea démocratique, comme aujourd'hui, toutes les violations des droits fondamentaux n'étaient pas et ne sont pas suffisamment graves pour être constitutives de crime contre l'humanité. To be crimes against humanity. Or to constitute crimes against Alors, humanity. Qu'on soit bien so, clair. Let's be clear about this. Je ne suis pas en train de vous dire I'm que c'est formidable et qu'il ne faut pas évoluer vers autre chose plus tard. Je pense que la plupart d'entre nous dans cette salle d'audience, nous sommes attachés au droit et bien sûr qu'il y a des évolutions qui seront nécessaires. And of course, developments mais cette évolution, ça ne pourra pas se faire dans le cadre de votre jurisprudence parce que vous jugez de fait entre 75 et 79. Et que la première fois où on a parlé de ce point, c'était en 2008 au TSSL, bien postérieurement après les faits. Et parce que la question de l'examen et de la détermination de ce qu'était et ce que pouvait constituer le crime contre l'humanité d'autres actes inhumains de mariage forcé, c'est une question à la fois de droit et de fait. Since this is a question of je vais fact and of law, céder la parole à mon confrère Kong Samon sur la réglementation du mariage. Et il va vous parler de la question de la réglementation du mariage au niveau factuel et des conclusions que nous avons tirées qui ne vous permettent pas non plus de rentrer en voie de condamnation. Et en droit, vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas constitué pas, à notre sens, un crime ayant la gravité de crime contre l'humanité. Et deuxièmement, les éléments factuels ne vous permettent pas non plus de rentrer en voie de condamnation. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous voulez marquer la pause maintenant et commencer ensuite sur les plaidoiries de mon confrère Kong Samon, ou si vous souhaitez qu'il débute, nous sommes à votre disposition dans les deux cas. Le président, vous pouvez commencer pour gagner un peu de temps. Maître Kong Samon, merci, Monsieur le président.
We are now discussing the topic of the forced marriage, as my colleague has just made a presentation to the chamber, including the facts and the principle of legality, that there is no law that is applicable to convict our client accused of harm, applicable qui serait d'application et qui permettrait de reconnaître notre client coupable. Is not severe enough as dès lors que les actes en question ne sont pas my client gives a punishment of the other in the human acts. Notre client étant accusé d'autres actes which is part of the crimes against humanity. Constitutif de crimes contre l'humanité. We now turn our attention to some facts in relation to forced marriages. En rapport avec le mariage forcé. And why forced marriages did not carry the same weight as in the crimes against humanity. Les mariages forcés n'ont pas